faut une remarque encore. Là, j'écris comme théoricien. Il est difficile d'être à la fois théoricien et praticien, même de ses propres idées. Vous avez Machiavel. Oui. Hein, oui, il avait des idées. Hein, vous voyez, il disait au prince. Mais lorsqu'on l'a nommé, ça n'a pas été possible. Mais cela n'a pas été mon cas. Moi, j'ai été gouverneur du Katanga, nommé pour un mandat que j'ai rempli. Et je suis en train de préparer un livre dans lequel peut-être je pourrais expliquer cela. Lorsque je suis nommé gouverneur du Katanga, je suis le premier gouverneur de ce siècle. Et chaque gouverneur a un mandat. Moi, j'en avais trois. Le premier mandat, c'était le président Kabila. C'était là. C'était à la télévision que les Katangais se sont levés. On a dit Mouzé avait un enfant. C'était dans l'intimité, dans l'entourage de Mouzé. On savait qu'il avait un enfant qui s'appelait Joseph. Alors Joseph, ça travaillait beaucoup. Et il voulait avoir quelqu'un qui construise son image ici, comme Katangais et comme fils de Mouzé. Vous pouvez poser la question au président actuel. Le nom, le surnom de Kabangé, il est venu d'où? Quand il nous a dit qu'il était jumeau, et qu'on lui a dit, ici chez nous, c'est Kyungu et Kabangé, vous êtes qui? Il était Kabangé. Vous pouvez vérifier tout ça. Vous pouvez vérifier aussi que les documents de Joseph Kabila signés à l'époque, il n'y avait pas Kabangé. Il y avait quoi? Joseph Kabila. Donc je vous dis pourquoi j'ai été nommé. Je vous dis que j'avais une mission ici de créer avec tous les Katangais la paternité de Joseph. Et ça, c'est une mission que j'ai réussi. Il n'y avait pas d'argent ici, il y avait la guerre. La deuxième mission, c'était une mission sécuritaire. Donc, je le dis, c'est à la télévision. Et si quelqu'un peut me contredire, ou Joseph lui-même, il peut le faire. Mais il m'a donné comme mission, la première mission. Ici, à Kinshasa, on dit que je suis rwandais, je suis burundais. Et je voudrais vraiment naître au Katanga. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé avec mes vice-gouverneurs, avec tout le monde, les Mouyesh et compagnie, les Rung, les Luba, Koukon. On donne à Joseph son patelin. Ça a été réussi. Vous pouvez le vérifier, même peut-être s'il ne le dit pas. Je crois qu'il le sait. Ma deuxième mission, la guerre était pleine ici. Le Katanga a 22 territoires, dont 10 étaient entièrement occupé. Par exemple, tout le Tanganyika, c'était une autre province avec un gouverneur et deux vice-gouverneurs. Il fallait mettre fin à ça. Et je l'ai fait. Il y avait ici à côté Andola, le RCD qui avait même une date précise pour prendre le Katanga. Il n'a pas pris. C'était ça ma mission. Et le Katanga n'est pas tombé, donc je m'estime heureux.